Je vous invite à vous tenir debout et à entonner avec nous notre chant thème pour la liberté. Ô Seigneur, nous savons que nous t'appartenons et nous savons que ton amour pour nous est sans fin. Bonsoir et bienvenue à notre semaine de prière. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve pour notre méditation de ce soir qui se portera sur le chapitre 13 de l'Apocalypse. Avant de commencer, je t'invite à prier avec moi.
Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous as permise de passer. En ce sens, nous te demandons de nous assister, Seigneur. Alors que ce message est palpitant mais complexe, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous ce soir. Bénis ta jeunesse. Bénis moi aussi qui vais parler en ton nom, Seigneur. Garde-nous, protège-nous et que ton Esprit soit avec nous en ce soir. Ce sont les grâces que je te demande. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Le message de ce soir s'intitule « Vraie et fausse adoration ». Dans Apocalypse, trois puissances du mal sont présentées. Le dragon, la bête et le faux prophète. Vous vous demanderez peut-être qui sont-ils. Vous verrez comme c'est facile à savoir. Apocalypse 12 et 13 identifient trois pouvoirs sataniques. Le chapitre 12 parle du dragon, tandis que le chapitre 13 parle d'une bête qui surgit de la mer, puis d'une autre qui surgit de la terre. Ces trois pouvoirs constituent la fausse trinité connue sous le nom de dragon, de bête et de faux prophète. Nous avons déjà identifié le dragon avec Satan, mais que symbolisent les deux autres bêtes qui apparaissent dans Apocalypse 13? Commençons par lire Apocalypse 13, les versets 1 et 2. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Quel être étrange! C'est définitivement un animal très 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 étrange. Il a le corps d'un léopard, la gueule d'un lion, et la patte d'un ours. Ce serait un matériau très, très, très intéressant pour un signe de drame ou de science-fiction, n'est-ce pas? Analysons cet animal. Pour ce faire, nous devons recourir à la clé d'interprétation biblique qui est tout simplement la Bible, car elle s'interprète par elle-même. Pour identifier cet animal étrange qui surgit de la mer, il est nécessaire d'étudier le chapitre 7 de Daniel où une vision est racontée dans laquelle quatre animaux étranges émergent également de la mer. Daniel chapitre 7 présente l'émergence de quatre bêtes différentes. La première était un lion puissant qui avait sur le dos deux puissantes ailes d'aigle. Daniel 7, verset 4. Puis d'un ours qui était plus haut d'un côté que de l'autre et avait trois cornes dans la bouche. Daniel 7, verset 5. Plus tard, il a été suivi d'un étrange léopard qui avait 4 têtes et 4 ailes. Enfin, un animal horrible et indescriptible sorti de la mer que le prophète ne pouvait comparer à aucune autre créature car il avait des dents et des ongles en fer. En plus, il avait 10 cornes sur la tête. Waouh ! Quand le prophète a eu cette vision, il était aussi confus que vous l'êtes maintenant, comme moi. Moi, je ne comprends pas du tout cette bête-là. Cependant, plus tard, Dieu lui a expliqué la signification de ces mystérieux animaux. Voyons comment les deux versets nous suivent et nous éclairent. Daniel 7, verset 17 nous dit « Les quatre grandes bêtes sont quatre grands rois qui s'élèveront de la terre. » Daniel 7, les versets 23 « La quatrième bête est un quatrième royaume qui apparaîtra sur terre. » Que représente une bête dans la prophétie? Il représente un pouvoir politique, tout simplement. Ainsi, lorsque Daniel et l'Apocalypse nous parlent des bêtes, ils font référence au pouvoir politique. Cela ne devrait pas surprendre, car même aujourd'hui, les animaux sont utilisés pour représenter les partis politiques. Par exemple, aux États-Unis, un âne est utilisé plutôt pour représenter le parti démocrate et un éléphant pour représenter le parti républicain. Il est important d'ajouter que le symbole de la bête ne représente pas simplement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir qui s'élève contre le peuple de Dieu. Par conséquent, la Bible identifie les quatre bêtes de Daniel 7 avec les quatre grands royaumes historiques, Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et Rome. Avec cette précision, revenons à Apocalypse 13, où l'on retrouve ces quatre bêtes résumées en une seule, comme pour montrer qu'elles sont toutes dirigées par le même pouvoir. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la bête d'Apocalypse 13? Lisons Apocalypse 13, verset 6.
et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. La Bible représente ces deux actions comme un blasphème. Premièrement, revendiquer le pouvoir de pardonner les péchés. Par exemple, Luc 5, les versets 21 nous dit « Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Comme on l'a vu, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Deuxièmement, prendre la place de Dieu et se faire passer pour lui. Jean 10, verset 33. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Merci, amen. Le verset 8 d'Apocalypse 13 dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Cette bête a reçu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, les versets 7. Un examen attentif des actions de cette bête nous révèle qu'il s'agit de l'antéchrist, c'est-à-dire une puissance humaine satanique se faisant passer pour le Christ. Maintenant, regardons la comparaison suivante entre le Christ et la bête. Normalement, vous avez un petit tableau devant vous. Comme vous pouvez le constater, le Christ et la bête sont représentés dans l'Apocalypse. Avec cette corne, pour la représentation du Christ, alors que la bête, elle est représentée avec 10 cornes, avec des diadèmes, et la bête, elle est représentée avec 10 diadèmes. Il a été tué, Jésus, et la bête, elle reçoit une blessure mortelle. Il est ressuscité, Jésus, et la bête, elle, sa blessure, elle est guérie. Elle reçoit l'autorité du Père, alors que la bête, lui, il reçoit l'autorité du dragon. Du côté du Christ, il est assis sur le trône du Père, alors que la bête, elle est assise sur le trône du dragon. Il est adoré par l'univers, notre Jésus-Christ, alors que la bête, elle est adorée par la terre. En bref, la bête qui monte de la mer dans l'Apocalypse 13 est une imitation du Christ. Il imite l'être et la passion du Christ. Il se représente avec l'autorité du Christ, usurpant son autorité et son pouvoir sur la terre. Il dit qu'il pardonne les péchés et exige l'adoration. Avant de terminer sur ce point, chers jeunes, permettez-moi de vous poser quelques questions. Connaissez-vous un pouvoir qui, en plus d'être religieux, exerce une puissante autorité politique sur terre? Connaissez-vous un pouvoir religieux respecté et admiré par les rois, les présidents et même les ministres? Connaissez-vous une puissance appelée chrétienne qui a persécuté d'autres chrétiens dans le passé? J'aimerais que vous arriviez vous-même à une conclusion. La bête d'Apocalypse 13 est l'antéchrist qui cherche l'adoration par tous les moyens nécessaires, chers jeunes. Et ça, ne l'oublie pas. La deuxième bête d'Apocalypse 13, qui complète la trilogie des pouvoirs sataniques, est présentée comme un animal qui est sorti de la terre et avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Comme la première bête, cette seconde puissance a quelques traits distinctifs. Premièrement, elle surgit de la terre. Deuxièmement, elle a deux cornes comme celles d'un agneau. Enfin, cette bête parle comme un dragon. C'est bizarre ça. Cette seconde puissance doit s'élever dans un lieu qui est inhabité et qui a peu ou pas de présence. Cette seconde puissance doit s'élever dans un lieu qui est inhabité où il y a presque pas ou peu de présence. Les eaux dans la prophétie symbolisent les peuples, des nations, des langues. Par conséquent, la terre est un symbole de petits peuples. De même, cette puissance doit s'élever avec les principes du christianisme puisqu'elle a des cornes comme un agneau. Mais si elle s'est élevée en défendant les principes chrétiens, cette même puissance finira par parler comme un dragon. En d'autres termes, cette puissance veut dire qu'il se soulèverait contre les principes chrétiens et le peuple de Dieu. Chers jeunes, permettez-moi à nouveau de vous poser quelques questions. Connaissez-vous
aujourd'hui un pays puissant qui, au début de son histoire, était une nation chrétienne, un étudiant des Écritures et surtout prônait la liberté religieuse. Y a-t-il aujourd'hui une nation qui, ayant eu des origines chrétiennes, est devenue au fil du temps une nation sécularisée, opposée aux principes présentés dans la parole de Dieu? Nous poursuivons avec cette fausse trinité composée du dragon, de la bête et du faux prophète. Son but se résume en un mot. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette bête, au final? Elle cherche tout simplement l'adoration. Le dragon, la bête et le faux prophète veulent tout simplement que vous l'adorez, que vous et moi, nous nous prosternons devant elle et que nous l'adorions. Pour atteindre ses objectifs, cette fausse trinité a entrepris d'attaquer les 10 commandements de Dieu, en particulier les 4 premiers commandements. La loi de Dieu peut se résumer, selon Matthieu 22, les versets 36 à 40, en 2 grands commandements. Maître, quel est le plus grand commandement de ta loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Le premier commandement, « Aime le Seigneur ton Dieu. » Et le deuxième, « Aime ton prochain. » Si vous regardez Exode 20, vous remarquerez que les 4 premiers commandements parlent de notre amour pour Dieu et les 6 autres commandements de l'amour que nous devons porter à notre prochain. Donc si vous aimez Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant votre face. Vous ne ferez pas d'image pour l'adorer. Vous ne prendrez pas son nom en vain. Et enfin, vous observerez le 7e jour qui est le jour du sabbat. Si vous aimez votre prochain, vous honorerez vos parents. Vous ne tuerez pas, vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne volerez pas, vous ne porterez pas de faux témoignages et vous ne convoiterez pas. Chers jeunes, les commandements sont la clé de la fidélité envers Dieu dans le dernier combat. Et par conséquent, que fera la fausse trinité? Elle attaquera d'abord ces 4 premiers commandements qui parlent de l'amour que nous devons à notre Dieu. C'est ça. Le dragon, la bête et le faux prophète agiront tous pour que l'amour que vous portez à Dieu décline et cherchera l'adoration par tous les moyens. Le dragon, la bête et le faux prophète agiront tous pour que l'amour que l'on a pour Dieu soit décliné. Cette fausse trinité recherchera l'adoration par tous les moyens et pour y parvenir, elle devra effacer de nos esprits, des esprits du monde entier, des jeunes, des adultes, les 4 premiers commandements qui nous parlent d'amour et d'adoration envers notre Dieu, le Père. En conclusion, chers jeunes, aimer et adorer Dieu est la chose la plus importante dans notre vie. Et je crois que l'amour que nous avons pour notre Dieu sera mis à l'épreuve dans les derniers temps. On devrait être préparé car, à un moment donné, nous devrons faire face aux mêmes épreuves que les 3 jeunes Hébreux. Nous devrons choisir entre adorer Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou encore la fausse trinité en la personne du dragon, de la bête et du faux prophète. Par conséquent, la question la plus importante jamais posée est celle que Jésus a posée à Pierre. « M'aimes-tu ?» Chers jeunes, aimez-vous vraiment, réellement Dieu? Je t'invite aujourd'hui à l'aimer de tout ton cœur et de tout ton esprit. Sache que Jésus t'aime et t'accompagnera chaque jour jusqu'à la fin du monde. Chers jeunes, je te souhaite une bonne soirée, mais avant tout, nous allons prier ensemble car ce n'est pas un message facile, mais Dieu nous aidera à comprendre davantage quel message qu'il a pour nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas sonder, mais que seul ton esprit peut nous aider à comprendre. Aide-nous à faire la part des choses, Seigneur, et aide-nous à t'adorer en esprit et en vérité comme tu nous le demandes. Dirige-nous, protège-nous, garde ta jeunesse, Seigneur, qu'elle soit ici ou ailleurs. Ce sont les grâces que je te demande, dans ton Fils Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et à entonner avec nous notre chant thème pour la liberté.
Ô Seigneur, nous savons que nous t'appartenons et nous savons que ton amour pour nous est sans fin. Chasse au loin le doute.